Je suis heureuse d'ouvrir, de vous accueillir ici, dans cette ville qui est la première Smart City, entièrement Smart City, puisque nous avons... La mise en place de ces réseaux de télémédecine permet de créer des liens entre les différents établissements de santé au sein d'une même région. C'était précurseur par rapport au concept GHT. À l'heure actuelle, on voit que ces systèmes de télémédecine ont tendance à collaborer entre eux. Et récemment, nous avons été sollicités par la Guyane qui vivait une véritable urgence sanitaire avec l'absence totale de neurologues sur le territoire. Et nous avons mis en place une collaboration entre nos deux systèmes de télémédecine, ce qui permet en fait à la population guyanaise d'avoir accès à l'expertise neurologique dans le domaine de l'urgence. L'enjeu majeur, c'est l'utilisation de la télémédecine sur les territoires, autour des professionnels de santé et des médecins généralistes qui donc vont pouvoir, au travers de la télémédecine, solliciter des expertises ou permettre des consultations avec des médecins spécialistes qui sont effectivement aujourd'hui dans les centres urbains denses. Donc un enjeu majeur, mais la télémédecine ne remplace pas des médecins. Par contre, c'est un moyen efficace de lutte contre la mauvaise répartition des médecins. Je suis praticien hospitalier dans un SAMU et on reçoit des appels des EHPAD avec un dossier qu'on ne connaît pas, un malade qu'on ne voit pas, pour lesquels des décisions doivent être prises et qui aboutissent assez souvent dans le doute par un transfert sur les urgences par exemple, qui est une chose pas très souhaitable pour une personne âgée quand ce n'est pas nécessaire. Donc la téléconsultation peut permettre de résoudre la nuit ce problème, mais aussi la journée. C'est-à-dire que la journée, la téléconsultation, elle pourrait se faire avec le médecin traitant, hein, bien sûr, mais il faut que tout l'équipement soit là, quoi.